Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. On continue cette série de danse en ligne avec le rock swing. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne en activant la cloche pour ne plus rien louper. C'est parti! La danse en ligne est composée de 4-8. Donc 4-8, on va compter de 1 à 8, 4 fois. Le premier 8, on est en appui sur la jambe droite. On va toujours commencer jambe gauche. On recule le pied gauche sur le 1. Et la jambe droite reste sur place. Donc, on fait 1, 2. En ouvrant légèrement les épaules vers la gauche. Ça fait 1, 2. Triple pas. 3 et 4. Donc, ça n'a pas chassé. 3 et 4. On revient vers le miroir. 5, on recule la jambe droite. 5, 6, la jambe gauche sur place. Nouveau triple pas, c'était 8. On venant face au miroir. 7 et 8. Donc, ça fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Deuxième 8, le Suzy Q, un mouvement classique du rock'n'roll. Donc l'idée, ça sera de venir en appui sur le talon de la jambe gauche. On est en flexion. 1, mettre en appui le poids du corps donc, sur le talon. Et ensuite, la pointe du pied gauche va aller vers la gauche et on va avancer la jambe droite pour faire 2. Donc ça fait, on pose 2. Et on fait ça 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois arrivé là, on va poser la jambe gauche sur le 7, 7. Sur le et, la jambe droite va partir sur le côté, la pointe du pied, et on va reculer la jambe gauche sur le 8. 8. Donc c'est un triple pas qui fait 7 et 8. Hein, on complète, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et à partir de là, on fait la même chose. Suzy Q, mais cette fois avec la jambe droite. 1, côté, 3, 4, 5, 6. On pose, 7 et 8. Le Suzy Q en complet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Troisième 8, c'est des kicks, des petits jetés à gauche, à droite, à gauche, à droite, en avançant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toujours avec la pointe du pied vers le bas. 1, 2, 3, 4, pas en haut. 5, 6, 7, 8. Hein, ce n'est pas du French cancan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le quatrième 8, c'est une base de Charleston. Rock step de la jambe gauche. 1, 2, kick en avant de la jambe gauche. 3, on pose la jambe gauche. 4, on vient en appui. 5, le jeté devant, 5, on plie, 6, et là il y a un slide, donc slide c'est une petite glissade, avec un quart de tour à droite pour changer de direction, ça fait 7, 8, on arrive là, et à partir d'ici on recommence du début. Donc la fin ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, slide, 8, on recommence, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. La chorégraphie est finie, c'est parti, vous pouvez le faire sur n'importe quelle musique. Faites-le avec moi sur une musique de swing, c'est parti.